سيدا تسولي ان الزول ونصوفي سونس الفحضام قناه دملاليذ ونيت مديث بسا تمديث بسا ادري من اول لك ديون ورغاز درغاز نتمسني درغاز نتيرا درغاز دارتي كي حمل ثلسا ذي وني غران مستنا انجينير او بيترو شبيكه شو كان تسا افريدي سينجره دي تيرا يمي خدم دي تغمسا يخدم ثم دياس جالن قال درغاز دارتي ومنو ذا مغناس ذا نغماس يطفيث انت دي سنات ذي وني دارتي كي حملنا وزر الاول ازيدان الزرعات دي ثمتير يسمى

donc, euh, je lui rends hommage. C'est une Zirem, C'est l'épouse euh, de, de Zadri, Zadri, donc de euh, Velkasem. Donc, euh, je rends hommage à son combat de femme. Elle a souffert en Mesquite parce qu'Argazis, comme son beau-père aussi, c'était des Moudjahidines, de vrais maquisards. Donc, elle a un peu souffert paix à son âme donc euh, je pense que là où elle est elle est dans la lumière oui. aussi c'est un homme de bien c'est un enseignant il a enseigné à Alger et puis il est revenu en kabylie il a été plusieurs fois directeur d'école et il est parti en retraite en tant que directeur d'école c'est quelqu'un qui a aimé l'humanité qui a fait que des choses de bien comme son père qui est mon grand-père, Jadim Ahmed. Voilà. Donc, je pense qu'ils sont dans la lumière, parce qu'il euh, y a toujours de la lumière au-delà de la vie, et la mort fait partie de la vie, il faut l'accepter. Voilà. voilà. Donc, ça, euh,

la poésie, l'art en général. Et d'ailleurs, je me rappelle bien Sch là un peu adolescent, je disais à mes cousins, moi je vais écrire des livres. Mais je, je, je savais que je, je vais écrire des livres parce que j'aime ça. Mm -hmm. Donc petit à petit, je me suis mis dans la position à Guinée de quelqu'un qui peut écrire, et puis le journalisme m'a aidé aussi, parce que je suis devenu journaliste, j'ai démissionné du secteur industriel après les tragiques événements d'octobre 1988, la Kemel. Donc il y a eu de nouveaux journaux, il y a eu une liberté de temps dans les médias, il y a eu de nouveaux médias privés. Bon, euh, certains les appellent indépendants, euh, je ne sais pas s'ils sont indépendants, mais en tout cas, ils sont privés et à un moment donné, ils avaient une liberté de temps. Et j'ai profité de ce moment-là pour devenir journaliste. Et le journalisme, il m'a beaucoup aidé dans l'écriture, parce que euh, l'écriture, quel que soit le talent que l'écrivain peut avoir, mais c'est du travail aussi. C'est-à-dire, c'est un exercice. C'est-à-dire, c'est en forgeant qu'on devient un bon forgeron.

C'est là que j'ai eu l'impression de mes deux grand-mères étaient dans un monde poétique. Toutes les deux, par exemple, connaissaient le répertoire de Mohandou Mohand, c'est Mohandou Mohand. Ils ont travaillé ensemble et ils ont parlé de la même chose. Et c'est ce qu'ils ont parlé. Ils ont parlé de la même chose, de la même Mm -hmm. Et le net set qui est à l'origine de, de, euh, de notre amour hein, de la poésie dans toute la famille. Voilà. Ouais. Y compris moi, bien sûr. Est-ce que le, en 1995, Les enfants de Bruyère, de 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 oui. <tousse> c'est mon premier recueil de poésie qui est sorti, mm -hmm. qui a été publié à Paris en 1995. Voilà, effectivement. C'est un petit recueil de poésie, mais euh, j'avais déjà écrit beaucoup, je, mais le, le premier livre que j'ai publié, tu as raison, c'est un recueil de poésie, il s'appelle Les Enfants du Brouillard, et c'est un hommage aux enfants euh, d'octobre 88. Mmh. Parce qu'on l'a oublié, mais euh, dans le soulèvement d'octobre 88, il y a eu beaucoup d'enfants qui ont participé, quand je dis enfants, ça veut dire adolescents, jeunes, qui ont participé à ce mouvement. Voilà, il y a eu une ouverture un, un peu, mais euh, elle a été contrôlée par le pouvoir. Et puis, peut-être que nous tous, nous n'avons pas été à la hauteur aussi. Hein, mmh. Nous tous qui nous disons démocrates, républicains, etc. Peut-être que nous n'avons pas pu euh, devenir une force, peut-être que nous n'avons pas pu unir nos forces autour de l'essentiel pour construire une alternative au pouvoir. Je dis bien peut-être, hein, parce qu'on se pose des questions et parfois on n'a pas toutes les réponses.

ou la belgique a c'est un essai politique qui s'appelle euh, algérie et la guerre des ombres les noms dits d'une tragédie il fraude à bruxelles euh, en 2002 chez deux éditeurs deux plus grands éditeurs bruxellois le grip est complexe complexe a une antenne parisienne donc euh, j'ai été journaliste pendant une dizaine d'années, si ce n'est pas plus, à Alger. Et donc il y avait des choses que je ne pouvais pas écrire dans les journaux. Donc j'ai ramassé tout ça, donc euh, dans l'idée de faire un livre. Et effectivement j'ai fait un livre avec un fil conducteur où effectivement tu as raison, j'ai parlé des assassinats politiques, des partis politiques, de, 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 des médias, du terrorisme et du pétrole à l'échelle internationale, la géostratégie du pétrole. Donc, effectivement, à Émile herville -Zayer, je l'ai envoyé à trois grands éditeurs parisiens qui voulaient le publier. Euh, « Un paragraphe mm ». -hmm. Les trois. Et c'est le même paragraphe c'est pour justement dire... Alors, le paragraphe c'est la guerre entre la france et les états unis vis à vis de l'algérie vis à vis du marché pétrolier algérien principalement. Hmm. donc même dans les démocraties même dans les... chez les éditeurs privés il peut y avoir de la censure ou en tout cas une forme de censure. Mmh. Et moi je n'ai pas voulu euh, qu'ils enlèvent euh, ce paragraphe. Donc je l'ai envoyé par mail à l'éditeur à de Bruxelles. Il m'a appelé 24 heures après à Alger, il m'a dit est-ce que tu as signé un contrat d'édition récemment et même si je l'ai déjà donné à des éditeurs qui étaient intéressés effectivement Inès, écoutez, monsieur, nous on est prêt à publier votre livre, et c'est comme ça qu'il est sorti à Bruxelles. Et tant mieux qu'il soit sorti à Bruxelles parce que euh, ça a ouvert le champ euh, pour le livre, un champ plus intéressant puisqu'il y a eu euh, quatre pays où le livre a été distribué, donc euh, la Belgique, la Suisse, la France et le Canada, Canada. quatre pays francophones. Mmh. Voilà un peu l'histoire de ce livre qui malheureusement a été boycotté pratiquement par tous les médias et en France et en Algérie, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, mais qui a fait un chemin qui s'est très bien vendu et qui est devenu une référence, qui est aujourd'hui dans pratiquement toutes les bibliothèques universitaires du monde. Il est en Californie, il est à Washington, il est au Portugal, il est en Italie, il est en Espagne, etc. Bon, d'autres chercheurs, d'autres écrivains ont plagié un peu ce livre, mais ce n'est pas grave, c'est les risques du métier. Alors, quand même, il faut, dans 2002, Menef de que Eindner Zahre Bouddhessen, c'est des choses, mais c'est des données de l'intérêt. Absolument, absolument, mais euh, euh, ta question, elle est pertinente, mais c'est euh, aussi l'occasion de voir qu'effectivement le système politique en Algérie ne change pas. Il donne des apparences, il donne des façades. Et quand il a de l'argent, il achète la paix sociale. Mais au fond, ça ne change pas. Mm -hmm. et, et, et ce n'est pas seulement d'ailleurs depuis 20 ans. En réalité, si on reprend l'histoire de l'Algérie contemporaine, donc il y a eu une guerre de libération, paix à l'âme de tous les chouhadas, les, 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 les gens. Qui sont morts pour que euh, ce pays vive dans la liberté. Et ce pays ne vit, ne vit pas dans la liberté jusqu'à aujourd'hui, en 2021. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Juste après l'indépendance, il y a eu une guerre entre les armées de l'extérieur et les vrais maquisards. Mm -hmm. Alors, il y a eu plus de 1000 morts. Entre ces combats fratricites, armée, les armées de l'extérieur, ça veut dire de Tunisie et d'Oujda, pratiquement du Maroc, elles étaient beaucoup plus armées, beaucoup plus préparées, et elles n'avaient pas fait la guerre. Donc, euh, elles ont pris le dessus sur les maquisards de l'intérieur, et elles sont rentrées à Alger le 9 septembre 1962. Et le régime qui a pris le pouvoir par la force, c'est toujours le même régime qui, mmh. qui a. Encore le pouvoir entre ses mains et qui veut le garder encore et par la force, si c'est possible. Il n'y a eu aucune alternance politique euh, en Algérie. C'est les mêmes qui dirigent le pays depuis 62 avec des variantes, avec des façades. Nerdzghlien a parlé en Il y a eu une ouverture relative, mais le régime n'a pas changé. Le régime n'a pas changé. Le régime, euh, c'est lui qui décide toujours des chefs de l'État. Mm. 59 ans après, en Algérie, il n'y a eu aucun chef de l'État qui a été élu, véritablement élu. Parce qu'une élection, ça suppo suppose d'autres paramètres. Par exemple, à Tassig-Karan, il y a eu une élection euh, le 12 euh, décembre 2019, c'est faux. Il n'y a pas eu d'élection. désignation. <laughs> c'est une désignation en camel. Quand il y a mille prisonniers, à ce moment-là, il y avait mille prisonniers politiques en Algérie. On ne peut pas faire une élection quand il y a dix euh, prisonniers politiques. Ça veut dire que le système ne fonctionne pas. Alors, je ne te parle pas des autres paramètres, il y en a plein de paramètres. Quand la télévision nationale est squattée, elle est squattée. La télévision nationale algérienne, qui devrait appartenir à tout le peuple, qui devrait concerner le peuple, qui devrait informer le peuple sur son vécu, elle n'informe pas.

Donc, j'ai raconté l'histoire de l'Algérie depuis 1962, euh, jusqu'à aujourd'hui, à travers l'histoire de deux couples, deux femmes et deux hommes. Mais il n'y a pas que la politique dans le roman. Il y a de la poésie, il y a des déceptions amoureuses, il y a des gens qui s'en foutent, il y a des gens qui font des choses, euh, je ne sais pas comment les qualifier, mais c'est la réalité de l'Algérie aussi. Ouais. Mais j'ai raconté à travers ces personnages aussi. Les, les, les résistances, par exemple, il y a le printemps berbère de 80, il y a le printemps noir euh, en Kabylie. Donc, euh, j'ai essayé de mettre, hein, dans la mesure du possible, euh, les résistances du peuple face

Est possible qu'il y ait de et que dans mon histoire de la Kabylie, il n'y a pas tout sur l'histoire de la Kabylie. Hein? C'est des quand sou... même, des J'ai synthétisé l'essentiel. Oui. Euh, je me suis donné euh, deux ans pour écrire ce livre. J'ai essayé d'être le plus objectif possible. J'ai essayé de synthétiser, et ce n'est pas facile de synthétiser.

<laughs> Et mes olières à Khadma, donc j'ai donné la colonne vertébrale de cette histoire. L'essentiel, avec les dates, même les, 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 les histoires récentes, hein, mm -hmm. d'il y a 40 ans, d'il y a 30 ans. Hein, il y a des choses qui se sont passées il y a 20 ans, on les a oubliées. Donc c'est bon de les mettre noir sur blanc. Et donc, euh, j'ai réussi quand même, à, à, avec le temps, à donner l'essentiel. Même s'il y a des sujets, par exemple, où il y a plusieurs variantes, où il y a plusieurs versions, j'ai préféré ne pas en parler, pour mm -hmm. ne pas dire des, des, des bêtises. Mm -hmm. Comme, alors, si je mets, par exemple, sur un sujet, il y a euh, cinq variantes, c'est-à-dire il y a cinq points de vue. Si, si je mets les cinq points de vue, ça va me faire un livre de 1000 pages. Qui n'est mon livre, il faut qu'il fa fasse 300 pages Mm -hmm. Donc, il euh, y a des choses qui ne sont pas dans euh, cette histoire, mais je pense qu'il y a l'essentiel. Et puis, euh, le but du livre, c'était aussi intéresser les gens à notre histoire, et peut-être qu'ils aillent voir ailleurs. Et puisque je pose la question, eh bien, le mois de et Dounaginir, il y aura la sortie de la quatrième version de cette histoire de la Kabylie. Donc,

Et c'est un peu tout ça. Hein. Dans tous les pays du monde, l'histoire est manipulée par d'abord les États, par les hommes politiques, par les intellectuels, par les médias. Parce qu'on peut se servir de, de l'histoire pour imposer ses points de vue. Mmh. À euh, par exemple un exemple, j'en je, je, reviens et j'en parle dans mon histoire de la Kabylie. les historiens euh, occidentaux euh, décrivent les Vandales comme un peuple de sauvages. Ce qui est faux, c'est parce que les Vandales ont euh, réussi à euh, faire chuter Rome que pour ces gens-là, ce sont euh, des sauvages. Mm -hmm. non, c'est une marche de l'histoire. Il est vrai que le, le, le Rome, à ce moment-là, était déjà assez faible. Hein? L'Empire romain. Hein? l'Empire romain. Donc, euh, donc on a essayé de comprendre, moi j'ai lu des livres d'histoire en étant très jeune, j'ai lu Charles-André Julien en étant très très jeune, donc l'histoire à Guinée m'a toujours passionné, et donc j'ai trouvé cette occasion avec un éditeur qui s'appelle Yoran Ambaner, que je salue, de faire quelque chose d'intéressant. Et de transmettre peut-être la passion de l'histoire, la passion de l'histoire. Euh, donc, Nirek euh, de j'ai essayé d'être objectif parce que euh, on peut toujours me reprocher des choses. Mm -hmm. euh, soit en tant qu'écrivain, soit en tant que journaliste, je n'essaie pas for forcément d'imposer mon point de vue. oui ufen aynal a ou Je n'ai aucune ambition, je n'ai pas d'ambition, ni politique, ni, ni rien du tout. Même dans la littérature, j'écris d'abord pour le plaisir, donc euh, je reste libre dans, dans mes choix. Donc euh, l'histoire, effectivement, notre histoire, elle reste à écrire. Ce qui est dommage, c'est que les gens qui ont fait des études d'histoire écrivent peu. Ils commencent un petit peu. Euh, nous avons aujourd'hui des gens très valables. J'espère qu'ils vont continuer à nous donner des choses intéressantes. Je pense à mon ami Ali Gnoun, et, 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 etc., qui font des, des travaux très intéressants, scientifiques, parce que Mzoulouya euh, guiné c'est une science, attention. Mm -hmm. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Atas, par exemple, il. Euh,

c'est un roman. C'est un roman, mais qui raconte une histoire véridique. Mm -hmm. euh, le roman à Guinée, je l'ai dédié à mon ami Derry Berkani, qui est toujours vivant. Derry Berkani, c'est un, un cinéaste, hein. c'est un écrivain aussi, il écrit des livres aussi. C'est le premier qui s'est penché sur ce sujet. Donc, Vavas, il l'a parmi ses communisants. Donc, c'est des résistants de gauche qui ont effectivement aidé et sauvé des enfants juifs durant l'occupation allemande. Le documentaire à Guinée est date une seule fois sur France 3 en 1991, mais après on n'en parle plus. Donc une un euh, j'ai rencontré Derry Berkani, j'ai discuté avec lui, j'ai vu un peu la situation, je me suis documenté aussi. Euh, ce n'est pas pour me vanter, mais j'ai lu une affaire d'une cinquantaine de livres d'histoire écrits par des Français sur cette période. Même si c'est un roman, je me suis dit, il ne faut pas que je sois loin de la réalité. Même si le roman, c'est un art, hein, euh, mm -hmm. on peut se permettre des choses, c'est l'imagination. Donc j'ai imaginé des personnages, je les fais vivre aussi dans la Kabylie de cette époque, les ouais. années 20, les années 30. Amphères de Daginir, Lenwidi Seng par exemple, s'il a ouï des mots seng d'anglais, etc. C'était la vie de cette époque-là, de cette époque-là. Hein, époque Donc effectivement, ces résistants kabyles ont aidé grâce. Au ben Bridge, qui était le recteur de la une grande mosquée, mosquée de Paris, ils ont réussi à sauver beaucoup d'enfants juifs et le, le, le groupe de résistants éguinir euh, kabyle ont même Tsarun des tracts kaweinith éguinier éromien. Les Allemands, aux allons des tract des Voilà. C'est notre histoire, c'est une partie euh, de notre histoire glorieuse. Parce que, euh, je l'ai toujours dit, je le redis aujourd'hui, puisque l'occasion m'est offerte, c'est des valeurs, d'abord, c'est des valeurs humaines, mm. humanistes. Mais mm. il a une valeur à Guinée, Troschet Toshkvailis. Nous sommes parmi les peuples anciens et nous pouvons être fiers de nos ancêtres, des anciens qui ont souvent été à la hauteur même s'ils n'ont pas été dans les universités, mais ils ont été avec l'expérience de, de, de la vie euh, géniaux. ils ont inventé la fraternité. ils ont inventé la solidarité. ils ont inventé des règles pour le vivre ensemble, le vivre ensemble malgré les différences. c'est une société, c'est je le rappelle aussi, qui ne connaît pas de prison. Il est le bannissement, mais il est la, la, la prison. La voilà. Donc c'est un ensemble de valeurs qui peut être euh, opérationnel encore aujourd'hui. وكيداني الى صوات خاطر تسبت لي دانو دو غواليك تقبل ثمتشين تامسليت كان خاطر ثمسليت زعما في الشينوا 15 بس تقبل تسي هذا ما ذاك لو لي فالور ناخذ لي كود تقبلت فيلت تقبلت تخص تنقص هي تاس yes. على ادو غلا جوستمون دي غود لي سيغنا دو غون غاليك وانا لي زيتوال سي سوفيان دو تو استكو كالك بار يا با نوماج يخليك كي تدور زكريتا زويره باسكو يعني ستوار يعني اما كان شو دار Il Donc euh, je dis Ahmed, il a vécu cette période à Paris. D'accord. Euh, je n'ai aucune preuve qu'il a participé à sauver des enfants juifs, mais je ne serais pas étonné qu'il l'ait fait. Imouf, je dirais Imoth en 79, donc je n'ai pas eu cette occasion ni la chance de parler avec lui de ce sujet, mais le connaissant, euh, cela euh, ne me surprendrait pas parce que euh, c'est quelqu'un qui porte les valeurs kabyles et qui est ouvert sur le reste du monde. Je dirais qu'il ne perd il y a un peu il y a un peu de il y a un peu mais il y a un peu de Tous les témoignages des gens qui l'ont connu parlent de lui euh, en tant que quelqu'un qui a toujours essayé d'aider les autres. Et pourtant, je dis à Guinéens, je dis à Ferhmar bien, il n'a jamais connu son père. Je dis à Arzkéens, je dis à il mort à Marseille, je crois vers euh, 1908, et je dis euh, il mort, donc euh, il n'a pas eu l'occasion de venir voir son fils qui était né. Voilà. Et d'ailleurs, euh, je dis il est parti dans, à Marseille sur les traces de son père, mais malheureusement il n'a pas trouvé de traces. Mmh. Voilà. C'était une époque différente de celle d'aujourd'hui. Hein. Voilà. Euh, euh, voilà. Alors...

les <laughs> les <laughs> uh, uh, euh, les habitants d'Afrique du Nord. Uh, nous ne sommes pas encore versés dans le livre. Mm -hmm. uh, moi personnellement, je conseille à, à notre jeunesse de lire et de lire beaucoup. Même il est en Internet. Je l'ai rencontré plusieurs fois, j'ai discuté avec lui. Je ne peux pas dire que je suis son ami, ce qu'il mais quand même, je l'ai rencontré plusieurs fois. Je raconte un peu ces rencontres. Sur l'assassinat, j'ai fait la synthèse de tout ce qu'il y a. J'ai fait pratiquement une enquête de ce qu'il y a, de ce que nous connaissons et de ce que nous ne connaissons pas parce que on n'a pas voulu faire une vraie enquête. enquête. Voilà. Euh, je ne désigne pas de coupable, je ne peux pas désigner de coupable. Parce que chacun de nous doit connaître ses limites. Je ne suis pas un super homme pour dire que je connais tout, que je sais tout. Mais j'ai fait la synthèse de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'il y a dans mon livre et qu'il n'y a nulle part. Mm -hmm. Voilà. Je raconte des anecdotes aussi. Voilà. Par exemple, je raconte un petit chenel, le 19 avril 1984 la salle des actes de Lehnage il vers 21h je crois et déjà la salle elle était archi pleine il y avait beaucoup d'arabophones des filles et des garçons et je peux te dire Kamal j'insiste il y avait beaucoup d'arabophones tout le monde est resté jusqu'à la fin du gala tout le monde il n'y a pas eu une seule personne qui est sortie. Il a hypnotisé la salle. Oudim Slayer, il était un peu barbu, très très maigre. Il a fait une petite remarque. Il, avait il y avait un portrait avec un Je dis Il a fait une petite remarque avec un Mais sinon, il voilà. Donc, c'est un livre assez vivant, un petit peu. Bah, il n'y a pas tout sur -Mato. Ben, mm -hmm. euh, Je parle aussi euh, de ses chansons, telles que moi je les vois. Hein. Euh, je fais un un peu une interprétation de, de son œuvre artistique, mais il y a beaucoup de nouveau effectivement dans, ce, dans ce, ce livre assez modeste, mais je, je l'ai fait aussi parce que c'était les 20 ans de 20 son temps, assassinat voilà. et je me suis dit qu'il fallait lui rendre hommage surtout à Paris, parce que Matoub e, euh, le euh, Paris. فوالا على تسبكتو مازال نكمل والدي مالك يوسف زيرام يوسف زيرام يورا ايزان 17 قد لي سن وغنا فيه ثلاث مخارضي في قبوين اسميس اللي عارف شوك فادو مازال دروغ نكمل والدي مالك يوسف زيرام الدوالي ثلاث للوداد نغال اذن كمل والدي مالك دين في <applause> قناه مس يوسف زيرب الو يوسف دي فيرينك دي انا تي كدير نكمل ديما كحل شقي غن تيري مات وانا كلا وانا زان 17 قد لي سن دي سوف يوسف زيرب خاص لما تعرض كي دنا اولا كاش تحش تحا فين كذا ولا ما توكل هذا طاس طاس باش هذا ولا كل هذا اللي سقد في الاستاذ وي تكلي و ثلاث الو ثلاث يونيو دي سيدي انا في اذا انا فذكرني ثلاث سكلا ثلاث سرتيثه لوم qui n'avait rien compris. Et si vous ne pas de C'est un roman, est un roman euh, qui est sorti en 2013 à Paris aux éditions Michelin. C'est un roman qui a bien marché, effectivement. C'est vraiment de la littérature. Hein. C'est vrai qu'il y a de la politique, mais il y a vraiment des questionnements sur l'existence humaine. Mm -hmm. Que vaut l'existence d'un homme hein? Qu'est-ce qui est important Est-ce que c'est posséder, par exemple Est-ce que c'est se faire voir Est-ce que c'est être puissant par euh, la politique et, Mais effectivement, euh, c'est quelqu'un qui vient d'Algérie, qui vit à Paris, euh, qui a des origines juives aussi, et qui raconte, qui se pose des questions, et qui rencontre des gens aussi, qui rencontre des gens à, à Paris. Et l'un des personnages principaux du, du roman, en fait, c'est la ville de Paris, parce que la ville de Paris, euh, c'est tout un territoire. Hein, c'est tout un territoire où euh, beaucoup de choses peuvent être possibles, mais il ne faut pas croire aussi euh, que tout est bien à Paris, ce n'est pas vrai. Donc euh, il y a par exemple un journaliste algérien dont l'homme qui n'avait rien compris, qui devient SDF et qui raconte aussi son histoire mmh. en Algérie. Il y a un peu de tout, mais il y a aussi cette contestation politique, puisque euh, que ce soit par rapport au système français ou par rapport au système algérien, il y a des critiques qui sont formulées sous forme de littérature hein, mmh. à, à travers le roman. Et d'ailleurs, euh, je peux dire que c'est un roman politiquement incorrect. Euh, J'aime toujours raconter cette anecdote à Smith ou de l'Issa Guinéen, Smith Defara ou Niguel à Je l'ai euh, dédicacé en service de presse pour euh, près de 300 journalistes français. Pratiquement tous les médias en France, j'ai passé trois jours chez mon éditeur à signer, à faire des dédicaces. Et au final, il n'y a eu qu'un seul article dans la presse française, le les Parisien, parisien hein. sur ce livre. Et pourtant, ce livre a très bien marché. Il a même été réédité. Il continue à marcher jusqu'à aujourd'hui. Encore une fois, c'est pour dire que même en démocratie, il y a des jeux politiques. Il ne faut pas croire que tous les médias du monde sont libres. Moi, j'ai pour habitude de dire qu'il euh, n'y a aucun média au monde qui est totalement libre, mais il y a des journalistes qui peuvent être libres, mmh. de par leur travail, de par leur façon de travailler. Donc, euh, il y a des choix. Ces choix sont souvent assez subjectifs par rapport euh, aux livres qui sortent, que ce soit des essais politiques, que ce soit des romans ou même euh, des récits. وانت... يوسف ثلاثة وتسرى لم كنت ما كنت أذي حسوا مذنين ما ثمو قضى ثوري ذا يثوريض ثنتا دك تشيني ثنتا دك خطا ثلاثة عدف ليك أنا فيك لو ذي قوالا ستبغلين بعيد ثلين سنسور برابورة وين تتارو ضد داناتس في لك أما ذا دي فرنسا أما غذي تمورث وي بيان سور بيان سور كمال مي إن زمرا ديني إيفان إلا ما depuis de longues années un ordre établi des choses un ordre établi des pouvoirs mais il y a euh, le politiquement correct il n'y a aucun média français qui m'ait invité depuis le 14 janvier 2011 le 14 janvier 2011 le 14 janvier 2011, j'ai été invité à Radio France Culture. C'est un direct avec Marc Kravetz. Et donc j'ai dit à Marc Kravetz que la France officielle a intérêt à aider le peuple algérien à la démocratisation. Même si elle n'aide pas, il vaut mieux qu'elle n'aide pas la junte militaire. Moi, j'ai toujours catalogué le régime d'Algérie, le régime algérien, de junte militaire. Alors, quand j'ai dit que la France officielle soutient la junte militaire algérienne, toutes les portes se sont fermées pour moi en France, jusqu'à aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave. En Algérie, c'est toujours par rapport à la même thématique. Alors, pour l'anecdote, le 14 janvier 2011, j'ai dit à 11h30 à Marc Kravetz. Je lui ai dit que le régime de Ben Ali va tomber. Et le régime de Ben Ali est tombé à 17h, dans la même journée. Marc Cravet, il m'a appelé, il m'a dit « Youssef, tu le savais ?» Je lui ai dit « Non, 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 je ne le savais pas. » Mais n'est pas Parce que j'ai participé aux marches de Guinée à Paris avec des copines et des copains tunisiens. Je les ai vus au départ, ils avaient peur. Ils avaient peur la sécurité militaire, même à Paris, etc. Mm

être dans le sens de l'histoire aussi être dans le sens de l'histoire c'est-à-dire respecter tous les peuples du monde respecter leur désir de vivre dans la dignité de vivre dans la justice sociale de vivre en démocratie faut aller fawlidah saghine par exemple les médias occidentaux

Il m'a dit, l'ordre établi du monde, l'ordre établi du monde existe. L'ordre établi du monde, c'est les États-Unis, c'est toute l'Europe, c'est euh, la Russie, c'est la Chine. Et tous ces... C'est des puissances. Oui, c'est des puissances, bien sûr. Par exemple, euh, euh, tous ces blocs que je viens de citer, la jette militaire algérienne les arrange. Alors la gente militaire algérienne, il y a un complot international. Mais il n'y a personne qui veut que vous vous, vous, vous fassiez partir ailleurs. Vous faites au contraire l'affaire de toutes les puissances internationales. S'il y a bien quelque chose euh, qu'on peut qualifier le régime algérien, c'est qu'il est, qu est antinational. Il est contre son propre pays, il est contre son propre peuple. Sinon, euh, venons d'ailleurs, il n'y a personne qui complote contre le régime algérien. Le régime algérien arrange, arrange toutes les puissances internationales. Voilà. Alors, et donc nous, nous nous battons en tant que peuple, en tant qu'écrivain euh, qui pourrait partager ma vision du monde. Ma vision du monde, elle date pour, pour ma part depuis 40 ans. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Moi, je, je parle de la gente militaire algérienne depuis 40 ans. Je ne, ça ne date pas de deux ans. Hein. Euh, voilà. Donc... Euh, où ils se adhèrent à les puissances internationales. Je comprends pourquoi l'homme qui n'avait rien compris euh, n'a pas eu les faveurs des médias français. Je peux même te dire, y compris pour La porte de la mer ou pour d'autres livres, je connais des journalistes français qui m'ont écrit des mails en tant que personne, qui m'ont dit que mes livres étaient excellents. Et d'ailleurs, je les garde. Peut-être un jour, je vais les publier. Mais je leur ai dit, ne, ne me dites pas ça à moi. Écrivez-le écrivez dans, dans vos journaux. D'accord.

Ça ne vient pas d'une organisation, d'un parti politique, ni d'un État. Ça vient d'une association culturelle du peuple et, et, et de la jeunesse. Que je ne connais même pas personnellement, hein, parce que c'est une autre génération. Hein. Je mm -hmm. suis un peu plus âgé qu'eux, mais euh, ça m'a touché au plus profond euh, de, de moi-même. Bien sûr, hein. euh, je ne les remercierai jamais euh, euh, tant qu'il le faudra les remercier, parce que ce qu'ils ont fait est exceptionnel. Pas seulement parce que je suis vivant, pas seulement parce que j'ai écrit des livres, parce que senti sentimentalement, c'est mon pays, c'est mon peuple. C'est mon village, c'est pas mon village natal, mais c'est tout comme, c'est presque. Parce que Dinif, c'est dans l'école de Taurit. On a l'école de Tizamoulin Taurit, mais il y a deux endroits. Alors, et je me souviens comme si cela datait d'aujourd'hui ou d'hier pour paraphraser un grand écrivain de chez nous, Mouroud Pharaon.

et je n'ai jamais cherché quoi que ce soit. J'écris des livres. Je ne veux ni gagner de l'argent, ni être connu, ni être dans un poste, ni d'une structure, ni d'un parti politique. Je n'ai jamais fait partie d'un parti politique, ni d'un gouvernement, ni rien du tout. Et donc, c'est pour ça que pour moi, ça a encore plus de valeur parce que je n'ai rien demandé et je ne savais même pas qu'ils allaient donner mon nom à cette bibliothèque. Mais au-delà de ma petite personne, j'espère que les autres régions de Kabylie, d'Algérie, d'Afrique du Nord vont aller dans ce chemin et donc euh, de regarder un peu euh, les artistes, les écrivains, les scientifiques, et de leur rendre hommage de leur vivant. C'est l'un de nos atavismes. On euh, critique, des fois on cause beaucoup de problèmes aux autres, et quand ils meurent, ils deviennent des saints. C'est le cas de Matoub Lounès, d'ailleurs je le dis dans mon livre. L'une des choses que je raconte dans mon livre, euh, contrairement aux autres livres, je, je raconte que Lounès Matoub a eu beaucoup de problèmes de son vivant, ouais. euh, et que ce n'était pas tout le monde qui disait que Matoub Lounès était un grand chanteur. Je le raconte dans ce livre. Oui, il ne faut pas oui. les oublier, mais si on peut les encourager de leur vivant, ça serait encore mieux. Je ne dis pas seulement les écrivains, hein, nous avons d'éminents scientifiques, nous avons des génies en Kabylie qui n'ont pas les moyens de faire ce qu'ils veulent faire. Oui.

– On ne peut pas tout avoir dans la vie. Arfin Lucan Loukandr c'est Améris qui pérille hein, parce que je sais, euh, dans, dans mes écrits, et surtout dans Algérie, La guerre des ombres, que j'ai touché le cœur du pouvoir algérien. Mmh. Je n'ai pas critiqué la façade. Euh, en Algérie, tu peux critiquer le président, entre guillemets, le chef de l'État. Mais il y a des, 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 des les, les le forces de l'ombre, bon, le pouvoir réel, qui peuvent te faire un petit accident de voiture, qui peuvent te faire t'envoyer un petit voyou dans un café, et te dire voilà, il y a une bagarre, et puis ça s'arrête là, tu comprends, voilà. Donc, ce n'est pas pour moi, parce que euh, honnêtement parlant, moi, je n'ai pas peur de la mort. J'ai dit tout à l'heure, la, la mort fait partie de la vie, mais je n'ai pas envie de causer de la peine à mes parents, à mes amis, euh, à tous les gens qui respectent ce que moi je fais. Voilà. مزلت مازال اللغه الغرك يوسف جوستومون تولي تصويره مغاربه ذاك انت كتسمي العمر لا تسكس الزول لا حمايل ملان الملان كفاذو قيم في ذنو ثالث اللغه يوسف زيران

dans la tout en sachant que l'extérieur, des puissances étrangères, des puissances du sous-monde, ont travaillé dans les coulisses justement leurs intérêts. Oui, c'est un, c'est, c'est un problème. C'est un problème. Euh, les puissances internationales euh, trouvent en euh, le régime algérien un allié, un allié avec lequel ils font des affaires, mmh. beaucoup d'affaires et qui maintiennent, comme je disais tout à l'heure, l'ordre établi du monde. Mais attention, euh, toutes ces puissances que je citais tout à l'heure, tous ces blocs, sont aussi euh, à l'écoute. Le peuple algérien peut triompher. Il peut triompher dans la mesure où cette quête de liberté de manière pacifique est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Mais euh, le chemin sera long, il ne faut pas oui. se faire d'illusions. Il ne faut pas se faire d'illusions, le chemin est lent. Mais attention, quand je dis euh, les puissances internationales sont à l'écoute, elles ne sont pas mariées avec le régime algérien. Ce sont leurs intérêts. Ben oui. Je vais te donner un petit exemple de rien du tout. Si demain, la diaspora algérienne en France arrive, à faire sortir dans les rues de Paris 100 000 Algériens, je dis bien 100 000 Algériens, eh bien la vision française va changer tout de suite par rapport à l'Algérie. Le rapport de force. C'est des rapports de force, toujours pacifiques. Aujourd'hui, depuis deux ans, la diaspora algérienne en France est réveillée. C'est très bien, parce qu'il nous est arrivé de manifester à Paris, et nous étions 100 personnes. Euh, pour la démocratie en Algérie, ou bien contre des exactions, que ce soit en Kabylie ou dans le pays Mozabite. Euh, tu étais toi, toi aussi avec nous, nous étions 100, 200 personnes, 300 personnes. Aujourd'hui déjà, il y a beaucoup plus de monde. Mais il faudra dans la diaspora, je ne suis pas un donneur de leçons, je n'exprime qu'un point de vue, hein, et peut-être un espoir, un souhait. Oui. Euh, ce mouvement a du travail. À entreprendre. Quand je dis en France, parce que c'est en France qu'il y a la plus grande euh, communauté algérienne à l'extérieur. Mais le travail se fait aussi en Angleterre, aux États-Unis et au Canada et c'est du bon travail. Et je salue tous ceux qui luttent pour la dignité, la liberté, la justice sociale, la démocratie en Algérie, pacifiquement. Mais euh, si ce mouvement prend euh, de l'ampleur, et arrive à drainer beaucoup plus de monde, arrive à faire passer le message, y compris vis-à-vis -vis, euh, des ONG françaises, des partis politiques français, des intellectuels français, la donne va continuer, va relativement changer. Mais le, le plus gros se fera en Algérie. Euh, vous savez tous, il y a une semaine, il y a quand même eu, eu une déclaration de l'ONU par rapport à l'Algérie. C'est un début. Il faudra continuer ce travail. Mmh. Parce que la gente militaire algérienne ne vit, ne vit pas dans une planète autre que euh, la Terre. Elle est obligée aussi de voir qu'est-ce qui se passe. Et, et il ne faut pas croire aussi que les marches pacifiques du mardi et du vendredi, comme disent certains, ne gênent pas le pouvoir. Elles le gênent énormément. Parce que ce pouvoir veut... Toujours donner cette façade de démocrate. Et pour quelqu'un qui ne connaît pas l'Algérie, il peut être tenté et de dire oui, l'Algérie, c'est un pays démocratique. Il y a des partis politiques, il y a un Parlement, bon, euh, l'Assemblée a été dissoute, mais elle sera refaite, il y a des médias, euh, on peut circuler dans la rue. Qu'est-ce qu que vous demandez Vous êtes en démocratie. Mais quand vous fouinez un petit peu, vous comprenez que le système est toujours le même, mm -hmm. qui n'a permis aucune alternance politique depuis 59 ans, et que toutes les décisions importantes sont prises en dehors des institutions que le pouvoir met en place. Mais euh, Youssef, quand même, il y a des qui Il y qui زبران دي شريحان لا روي ذاكين بلي كنكون انت هيك كاين ثمرت القبيل اي نضغ تاع نارا لو ذكي قال بلي كيقلا انتزل وحدنا ونزمران راوض باسكو داك لا را لا الطفلة لا كارد دي ديولوجي لي زيسلاميست ديموكرات سي الجهه اللي نضع هذيك لو بوفوار انا فيك يخدم الشغل انا في ذاك الى يعاود الكود بينال فيسبوك ادخل من Absolutely. Absolutely. لا كومونتير كي هو الحبس لا ديشيونس دو ناسيوناليتي يمكن زمران زكا هذ اذيا وذوك ذوك dire un consensus c'est le un le politique de l'armée c'est la continuité de ce mouvement mais tout ce que tu viens de dire est vrai le mouvement d'abord est traversé par des courants c'est tout à fait normal en principe il représente toute la société il y a une contre-révolution. Elle existe même à l'intérieur de ce mouvement. Et surtout depuis quelques mois. Hein, quelques mois, il y a eu des diversions, des faux problèmes. Mais euh, on va faire un peu la synthèse de ce qui se passe en Algérie depuis deux ans. Depuis deux ans, mis à part la petite parenthèse de la crise sanitaire, euh, il y a. Des milliers ou bien des centaines de milliers de personnes qui sortent au moins une fois par semaine, pacifiquement, deux ans à l'échelle de tout un pays. Cela ne s'est jamais passé dans aucun pays au monde. Il n'y a eu aucun pays au monde qui a vécu cela. Peut-être que ce qui se passe en Algérie va générer d'autres façons de lutter à travers le monde. Cette méthode pacifique, mais avec de l'endurance sur une longue période. Moi, j'ai écrit des articles hein, euh, pour dire qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Hein. Je ne vais pas revenir sur tout ça. Mais attention, je ne suis pas euh, un, donneur, un donneur de leçons. Et puis, il y a beaucoup d'éléments qui m'échappent. Il faut dire euh, ce qu'il en est. Il y a beaucoup de gens qui disent ils connaissent le système algérien, ils connaissent l'armée algérienne, ils connaissent les services secrets algériens. Je peux, vous, je peux dire qu'il y a très très peu de gens qui connaissent ces hommes de l'ombre Très très peu, y compris les gens qui racontent beaucoup de choses, y compris des gens qui ont écrit des livres. Donc c'est assez compliqué. Mais la lutte d'un peuple pour sa liberté, elle aboutit toujours. Elle aboutit toujours dans la mesure où ce peuple a soif de cette liberté. Ce qui a d'extraordinaire dans ce mouvement, c'est que pour une fois, on a compris que l'arme fatale contre ce régime, c'est le pacifisme. C'est ce qui nous a manqué malheureusement en Kabylie. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aussi durant euh, ces deux ans on a vu et on a compris aussi, il faut se le dire, nous autres Kabylie, nous avons lutté, mais nous avons commis beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, nous avons compris que la Kabylie toute seule ne peut rien contre la chaîne militaire algérienne. La Kabylie a tout intérêt à sauvegarder et à encourager le reste de l'Algérie à l'aider pour passer à une vitesse supérieure de la contestation le régime algérien il n'est pas fort contrairement à ce que racontent beaucoup de gens c'est vrai que il a de l'argent il a encore des capacités de corrompre à l'intérieur et à l'extérieur demain quand je dis demain c'est dans trois mois dans six mois peut-être dans deux ans quand la conscience politique va encore s'élargir dans toute l'algérie le peuple algérien pourra faire des grèves générales ciblé à travers tout le pays. Il pourra faire une désobéissance civile pacifique, pacifique. S'il arrive à faire cela pendant une semaine, eh bien le régime sera obligé de changer et pacifiquement. J'insiste sur le pacifique parce que ce régime est prêt à incendier une nouvelle fois le pays. Il est prêt à revenir à ce qui s'est passé durant les années 90. Parce que ce qui s'est passé dans les années 90 est une erreur politique majeure. C'est l'erreur politique d'abord du pouvoir en place, qui n'a pas su préserver la paix civile, qui, en manipulant les islamistes, a déclenché une guerre contre les civils. Je ne dédouagne pas les islamistes de leurs crimes. Les islamistes ont commis des crimes. Ils n'ont pas été à la hauteur. Ils n'ont pas saisi les manipulations dont ils étaient l'objet. Et d'ailleurs, c'est un atout aujourd'hui. Contrairement à ce que racontent les hommes politiques, les quelques études faites par des institutions internationales montrent qu'il y a un désintérêt par rapport à l'islamisme politique de la part de la jeunesse algérienne. Et ça, c'est un atout extraordinaire. L'Algérie ne pourra pas revenir dans les années 90. C'est impossible. L'islamisme politique. Quels sont les, les indices et mails, est pas, de l'islamisme politique Bien sûr, j'ai pas J'ai oublié de ramener les deux études faites par deux institutions internationales sur euh, les derniers 20 ans. Sur, euh, les, derniers 20 ans, mm -hmm. sur euh, les derniers 20 ans, la jeunesse. Je crois qu'il y a 38% de la jeunesse qui euh, ne se sent pas concernée carrément par la religion. Pas seulement l'islamisme politique. Mmh. Et oui, euh, il y a aussi une autre étude euh, qui montre qu'en euh, Algérie, il y a le taux le plus important d'ingénieurs femmes dans le monde. La société est en train de changer. Mmh. Nous le voyons en Kabylie. Je viens de l'Akfadou. Il y a 30 ans, il y avait très très peu de femmes qui travaillaient. Aujourd'hui, beaucoup de femmes travaillent. Quand on voit les marches depuis deux ans, il y a énormément de femmes. Il n'y a pas que les femmes voilées. Et encore le voile, on peut trouver une, ex une, une excuse, entre guillemets, hein, sociologique hein, pour une femme de porter le voile dans la mesure où elle est moins embêtée par la société. Donc, les femmes sont présentes dans, dans ce mouvement et en nombre. Et ce seront un rempart contre l'intégrisme ah, 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 à venir. Hum. Si sont les absents alors Parce que là où il y a la presse qui est absente, là où il y a l'élite, elle est en train de se faire un peu de Comment on peut identifier une structure qui est c'est mais, mais, mais tu le sais très bien, les médias en Algérie euh, sont à côté de la plaque depuis très longtemps. Hein. Je le raconte. Alors, tu plusieurs médias, rédacteur en chef, Mais bien sûr, sûr j'ai fait plus de 25 rédactions en Algérie. Je connais comment ça fonctionne, euh, les médias. Les médias ont perdu de leur aura. Hein, et et c'est tout à fait normal. La, 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 la quasi-majorité euh, des gens qui ont fait des journaux euh, grâce... Au, à l'argent de, de l'État, parce que au départ, c'était le gouvernement de Hamrosh à l'époque de Shadley qui a permis aux, journaux, aux journalistes de, du secteur public de faire des journaux privés avec beaucoup de facilité, euh, sans malheureusement tomber euh, dans, dans, <coughs> dans l'aspect matérialiste. Ils sont devenus pour la quasi-majorité des millionnaires, si ce n'est pas des milliardaires, et ils n'ont même pas transmis les valeurs euh, réelles, l'éthique journalistique après sont arrivées euh, les télévisions poubelles euh, qui dépassent euh, dans leur euh, malfaçon euh, toute l'éthique journalistique qu'on peut avoir. Hein. donc les médias sont à la traîne. mais il n'y a pas que les médias. c'est triste de le dire. il y a une grande partie de l'élite algérienne qui est corrompue. et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, comment fonctionne la justice aujourd'hui, ne me surprend pas. Bien sûr qu'il y a euh, des directives de l'extérieur, mais il y a très peu de juges, très très peu de juges qui sont réellement juges aujourd'hui. Et d'ailleurs, même dans la profession d'avocat, je salue le, le travail des avocats qui défendent les, 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 les prisonniers politiques. Ils font un travail extraordinaire. Mille fois merci. Mais c'est une minorité d'avocats qui fait ce travail. Mmh. Donc dans ce, dans ce système algérien, si vous êtes dans l'élite, si vous êtes médecin, avocat, ingénieur, écrivain, journaliste, vous pouvez vivre très bien, tout en disant que tout va bien. Bouteflika, les Bouteflika, les Bouteflika ont été des marionnettes quelque part, mais ils ont fait leur loi aussi. Durant 20 ans, on disait que tout, tout allait bien. Il y avait de l'argent. Il y avait des milliards de dollars. Et cette élite, est-ce qu'elle a dit qu'il euh, y a des injustices sociales Non, quand euh, le pouvoir... Euh, mener euh, la guerre psychologique et, et physique aux Mozabites. Combien d'écrivains ont dénoncé cela en Algérie Très peu, Kamel, très peu. Mm -hmm. Tu te souviens, on était en place de, de la République, en, encore une fois, nous étions 250-300 personnes. Et donc, euh, nous payons euh, tous ces manques, nous payons tous ces manques, effectivement.

il est là depuis 59 ans et politiquement il est mort. Il n'a rien à offrir. Mm -hmm. Ce n'est pas avec une constitution bidon qu'il a établi lui-même et qui est lui-même reconnaît que les Algériens ne sont pas allés voter. Il donne le chiffre de 23%. À mon avis, il n'y en a même pas eu 10%. Mais bon, mais déjà qu'il reconnaisse que euh, près de 75% d'Algériens n'ont même pas voté, c'est déjà une première. Mais. Euh, tant que ce régime elle est là avec ses exactions, le, le peuple dira ⁇ Nous, on veut autre chose ⁇ Le peuple s'est réveillé. Est-ce qu'il s'est réveillé complètement Je crois que non. Il y a encore de larges pans du peuple algérien à réveiller. Il y a encore de larges pans du peuple algérien qui rendent un peu dans ces secteurs les rouages de la corruption. Il y a une élite de la mangeoire qui ne veut que manger. Il y a des gens, nous les avons vus, et heureusement, le Hirak les a dévoilés. Il y a trois ans, ils écrivaient des choses, et aujourd'hui, ils écrivent l'inverse en disant que tout est arrangé. Maintenant que l'armée a désigné un nouveau chef de l'État, tout va bien, mais vous n'avez même pas euh, maintenant euh, une raison pour sortir dans la rue. Nous les avons, nous les connaissons. Pour certains, nous les connaissons personnellement. Mais ce n'est pas ça le grand problème. Le grand problème, peut-être, il est euh, déjà dans les échanges politiques sereins entre les éléments euh, de cette révolution. Alors, ça veut dire que euh, dès qu'il y a possibilité d'entreprendre un débat politique, ça dérive vers l'invective, l'insulte et la personnalisation des choses. Justement, Adwegehath. لو دي قارن بلي تليوت السباغي قد جا لي زانتيليكتوال لا غاث وكي مسما كي قال لي لا نويذ يغذابو لي لي طبوع بو ذاك نقارن تشان سوسمن ديفاندي مي لا نويذ وكاذنا الخوف C'est-à-dire qu'il y aura le débat qui se déroule là Le débat qui se déroule là Oui, je les comprends. Il y a ne sont pas d'accord avec toi. Il y a ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. Il y Il y Absolument, Kamel. Peut-être que c'est un passage obligé. Peut-être que nous sommes dans l'apprentissage. Peut-être que nous allons arriver à un moment où nous pourrions discuter de manière conviviale. Et c'est possible. C'est possible. J'ai moi-même animé à Paris un, un café littéraire pendant trois ans. La première et la seule chose que j'ai interdite dans le café littéraire, c'est l'insulte. J'ai toujours dit à tous les gens qui viennent au café littéraire de l'Impondérable, je salue Moïse Kemache qui nous a permis de faire le café littéraire dans son café, j'ai interdit une seule chose l'insulte, en disant qu'on peut toujours dire à l'autre qu'on n'est pas d'accord avec lui sans l'insulter. Et même aller prendre un café avec lui et continuer la discussion. C'est à cela que nous devons aspirer, que nous devons, à mon avis, tenter, tenter euh, d'apprendre les mécanismes. Ça s'apprend. Tout cela, tout cela, s'apprend. Après, il y a, a, a d'autres éléments. Attention, euh, dans, dans le Hirak, dans la révolution, dans Tahrir il, il y a des gens qui ont des visées politiques pour leur pe petite personne, des ambitions, c'est tout à fait normal. Mm -hmm. Mais ces euh, visées, ces ambitions sont secondaires par rapport au désir de liberté, de justice sociale, de démocratie, de dignité dignité de tout un peuple. Le peuple veut vivre dans la dignité. Ça veut dire quoi Il veut vivre dignement, c'est-à-dire travailler, avoir euh, de quoi vivre et ne pas être embêté, et ne pas être mis en prison pour une opinion. Il est intolérable qu'on mette en prison des jeunes pour un écrit sur Facebook, pour une opinion. C'est une honte. جستوما ما فهمتش يوسف زيرام ما في مقر ذاك اللي خاطر ما بدز كدي غا غفلوني خاطر زابليك لونيزاسيون خمن دا رابور فينيك شو في وني غير مزني اكس سي تي ان كريتيان دوك حكم من فلاش شحال لان نكري دغنا دي ميليتون دو ماك في كان تيموري سن لا كابريت تيموري دي سيرتيف بوتنا الحبس لا نكرا اتفقنا رئيس كان كيبخالف في الفيسبوك فيسبوك نو ندير الحبس غير سير جهه سير جهه النظام كومون بو ديزامورسي sur le plan de la géopolitique, aime la France officielle, aime la Turquie, aime les pays du Golfe, aime les États-Unis, aime qui mette sur cette stratégique par rapport à Tout simplement, il y a des intérêts politiques et économiques. Oui, bien sûr qu'il y a des intérêts économiques. C'est pour ça que j'ai parlé de la diaspora, d'une un, éventuelle marche de 100 000 personnes. Mais il n'y a pas que ça. Hein? Il y a des livres à faire, il y a des films à faire. Il y a des lobbies à, à créer, des lobbies, ça veut dire des gens qui vont faire un, des lobbying au niveau des représentations politiques françaises, au niveau des partis politiques, au niveau surtout des ONG, au niveau des intellectuels. Si tu, tu l'as très bien remarqué, il y a très peu d'intellectuels français qui s'intéressent au mouvement du Hirak, à cette révolution extraordinaire, alors qu'ils s'intéressent à tous les mouvements à travers euh, les quatre coins du monde. Mais euh, il y a lieu euh, de faire ce travail, nous aussi, d'aller à leur rencontre, d'aller euh, leur dire les choses, même si eux tentent de fuir. Mais l'essentiel euh, se fait en Algérie. Hein, l'essentiel, il faut pas se faire d'illusions. Demain, le peuple, quand il pourra faire euh, des actions encore plus solides, mais toujours pacifiquement, qui vont gêner euh, le, le régime en place, eh bien, les puissances internationales changeront d'avis. Mais je voudrais dire que euh, le, le, le Hirak, la révolution, a aussi la lourde tâche de faire changer le régime, mais sans faire tomber l'État. Il doit aussi sauvegarder l'État. Il ne faut pas que ce mouvement aboutisse au chaos.

ce mouvement, en étant plus intelligent, il peut ouvrir la télévision nationale, il peut faire semblant de faire une ouverture politique. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est ce qu'il fera dans quelques mois. Et il va essayer de faire ce qu'il a fait après les événements d'octobre. Après les événements d'octobre, il y a eu un semblant de démocratie, un semblant d'ouverture, mais en réalité, il a tout gardé en, euh, dans l'antichambre. Donc, il a supervisé. Donc, il peut absorber un peu. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, tant que ce régime là euh, ne veut rien savoir la feuille de route de, de, de ce mouvement c'est la dignité la justice la démocratie l'alternance politique mais euh, quand il y aura le désir réel du pouvoir d'aller vers le changement là les projets politiques seront débattus il y a plein de projets politiques il y a des des dizaines, des centaines d'intellectuels algériens qui ont déjà proposé des solutions politiques, des feuilles de route. L'intelligentsia algérienne, elle existe, elle existe aux quatre coins du monde, y compris dans ce -là, qu Il qui a des gens très valables. Ils sont pas très médiatisés par rapport aux populistes, et tu as raison, mais ils existent. Il y a des gens, euh, moi je fais l'effort des fois d'écouter les uns et les autres, de regarder leurs écrits et leurs vidéos, il y a des gens qui sont euh, d'une euh, capacité intellectuelle, d'une maturité politique extraordinaire. Mmh. Non, là, ce n'est pas, pas un souci. Le souci aujourd'hui, c'est de se perdre dans des diversions, c'est de se perdre dans les divisions fomentées, provoquées par la sécurité militaire. Quelle est la politique entreprise par la junte militaire algérienne depuis 1962 C'est diviser pour régner. Mmh. Pourquoi nous autres, Kabyles nous nous sommes battus pendant des années et que nous n'avons rien pu changer à ce système Parce que nous nous étions battus, battus tout seuls, avec, avec la propagande du pouvoir qui disait aux autres Algériens que ces gens-là sont contre vous alors que nous n'avons jamais été contre eux et eux ils n'ont jamais été contre nous il faut faire la différence entre le régime algérien et ce que pensent les algériens à travers les quatre coins du pays le mérite le grand mérite de ce Hirak c'est d'avoir fait euh, ressurgir une fraternité entre euh, la majorité du peuple. C'est extraordinaire. C'est la première fois depuis 1962 que des Algériens se parlent réellement, mmh. sans arrière-pensée, et qu'ils ambitionnent d'avoir un projet commun, pluraliste. C'est pour ça que moi, personnellement, je pense... J'espère ne pas me tromper, mais je peux me tromper aussi, parce que moi, je ne connais pas tout et euh, je ne suis pas divin. J'espère qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, les Algériens ont compris qu'ils sont pluriels et qu'ils peuvent être islamistes, qu'ils peuvent être conservateurs, qu'ils peuvent être capitalistes, qu'ils peuvent être socialistes, qu'ils peuvent être culturalistes, qu'ils peuvent être tout ce qu'ils veulent et qu'ils ont tous leur place dans ce pays. Et puis, il faut regarder le monde. Nous avons un pays qui est frontalier. La Tunisie a géré son passage, sa transition démocratique, sans guerre contre les civils. La Tunisie est un petit pays par rapport à l'Algérie qui n'a pas les capacités euh, économiques de l'Algérie. Et la Tunisie a réussi ce miracle de passer d'un régime autoritaire à un régime démocratique. Tout ne va pas bien en Tunisie. Bien sûr, tout ne va pas bien en Tunisie. Mais le vivre ensemble suppose la coexistence de tous. Le drame de la Tunisie, je peux te le dire, c'est qu'il y a des substrats. De la société du temps de Bourguiba, de temps de Ben Ali, qui sont euh, très riches et qui imposent leurs lois d'une façon directe ou indirecte. Tout comme euh, dans un pays comme la France, il y a des familles qui imposent leurs lois à tous les pouvoirs politiques qui arrivent, qu'ils soient de droite ou de gauche. Hein. Donc, euh, c'est des strates de la société qui sont assises. Mmh. Et ça, c'est le drame de la Tunisie. Mais beaucoup de belles choses ont été faites en Tunisie et le combat démocratique continue. Il faut aussi comprendre que le combat pour la démocratie, c'est un combat de chaque jour. Demain, si le régime change en Algérie, tous les problèmes ne seront pas réglés. C'est à ce moment-là que le grand combat des idées va avoir lieu. Et j'espère qu'il va avoir lieu. Parce que les Algériennes et les Algériens ont les capacités de discuter ensemble. C'est ce qui nous a manqué après l'ouverture de 88, même s'il y a eu beaucoup de manipulations. Je pense que nous avons dit que les Algériens ont été en train de se faire. Oui, nous avons dit de se

La société algérienne souffre terriblement. Et ça ne date pas de, de, de maintenant, ça a empiré, mais ça date d'au moins dix ans. Parce que notre élite n'a pas vu la société réelle. Notre élite s'est contentée de ramasser des milliards et de ne pas regarder à côté. Des fortunes colossales. Se sont bâtis euh, comme ça, hein, avec de la corruption. Nous voyons aujourd'hui hein, des premiers ministres en prison à cause de la corruption, n'est-ce pas mm. Bien sûr. C'est un travail de longue haleine, C'est un travail de longue haleine où il faut la lucidité, où il faut l'intelligence, où il faut la sagesse, où il faut la l'amour l'amour entre les uns et les autres la haine elle est facile mais l'amour la, est, la, est plus difficile tenter de comprendre l'autre celui avec qui lequel on ne partage pas les idées peut-être même on a des projets politiques qui ressemblent mais nous nous sommes c'est le clash on peut en parler on peut parler de l'islam politique lucidement on peut parler de la majorité lucidement on peut parler de l'arabisme lucidement on peut parler de l'africanité lucidement on peut parler des choix économiques lucidement il est inconcevable en algérie qu'il n'y ait pas d'allocation chômage il est inconcevable en un pays comme l'algérie que des gens font des quêtes pour se soigner c'est une honte pour le combat des martyrs. Dans les pays euh, occidentaux, on donne l'aide médicale même aux gens qui sont en situation irrégulière. Ce sont des clandestins, comme ils l'appellent. Pour moi, ils ne sont pas des clandestins, hein, c'est des êtres humains. Hein. Moi, je ne fais aucune différence entre quelqu'un qui a des papiers et quelqu'un qui n'a pas de papiers. Mais c'est pour dire qu'il faut voir le monde. Et notre élite n'a pas été à la hauteur. Euh, on a privatisé des entreprises pour les offrir à des gens qui n'ont rien à voir, qui n'apportent aucun capital et qui du jour au lendemain de deviennent des milliardaires sans aucune compétence. Ça aussi, c'est l'Algérie de demain. Et il ne faudra pas avoir peur d'en parler. Avec ce régime, on ne parlera jamais de ces sujets. On continuera à faire semblant. Il y a encore de l'argent, on continuera à corrompre les gens et on continuera à développer le discours de mensonges et de haine mmh. dans les télévisions poubelles. Tu as vu qu ce qu'on a raconté durant euh, le passage du général Ahmed Gaïd Salah sur les Kabyles, sur l'Amazirité, sur le drapeau Amazir C'est une honte des gens qui se sont battus pour ce pays. C'est de la haine, c'est de la xénophobie, c'est du racisme. Mais il ne faut pas leur rendre cela. Il faut les laisser dans les poubelles de l'histoire. L'histoire se construit avec des valeurs, avec des valeurs humaines, avec des valeurs humanistes. Est-ce que c'est le moment de faire un constat, tirer des leçons Non, il faut tirer des leçons. Moi, j'ai dit ce que je pensais de tout cela. Il y a plus d'une année, année, et je, je, les, je le répète maintenant, il faudra rester pacifique. Il faudra essayer de communiquer politiquement, intellectuellement, philosophiquement entre tout le monde. Il y a des outils qui s'y prêtent, Internet. Il faudra, dans la mesure du possible, organiser des réunions. Réunions entre tous les militants, que ce soit dans la diaspora, que ce soit en Kabylie, que ce soit en pays Chaoui, que ce soit dans l'Oranie. Il faudra surtout, surtout rester dans le Pacifique. Il faudra surtout préparer, préparer de manière très sérieuse la désobéissance civile pacifique. Il faudra mettre devant leurs responsabilités les autorités algériennes qui ont un mépris.

des écrits à mon avis, hein. euh, j'aime écrire, euh, j'écris sans prétentieux, sans prétention, je, je, je me répète, euh, je ne veux pas être le meilleur écrivain du monde, je ne veux pas être connu, je ne veux pas gagner de l'argent, euh, ma vie est très 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 simple, mais elle me plaît bien, euh, j'ai toujours dit que seules les choses les plus simples nous donnent les plus grands bonheurs. Et moi, quand j'écris un poème, quand je lis un poème, je suis heureux et ça me suffit.